aujourd'hui samedi, il est 13h02 et ben, je vais essayer de vlogger pour la première fois. Pour le moment, je dois aller à la quincaillerie, on va s'acheter quelques trucs avec ma soeur pour un DIY que je vais peut-être vous filmer et donc on va voir ce qui se passe. À tout de suite. There we go. On y va? C'est ma congé. Bien joué, mais je conduis et puis tu me... Ah non, tu vas me filmer pendant que je conduis. Oui. Donc, comme je vous disais, les filles, on va faire un petit DIY avec un meuble dans la chambre d'Ella. Donc, on va chercher quelques matériaux pour la quincaillerie. Et puis ensuite, je vais peut-être aller faire des courses, des trucs comme ça. Donc, c'est parti. Watching it end again and again. I feel it in ways you follow me. Drift into places I should leave. So close to the edge of something so perfect. We were too scared to take the leap. I'm missing the way we used to be. Donc là, on va où exactement? On va chez Weldom. C'est un magasin d'outillage. On essaie de faire en ce moment des DIY. Donc, au lieu d'acheter des meubles, des machins, on essaie de les fabriquer ou en tout cas de les redécorer. Donc, là, on va essayer de trouver une sorte de peinturisée parce que j'ai une obsession là. J'ai envie de me faire un petit meuble de make-up. Oui, il faut qu'on vous montre la chambre qu'on a complètement redécorée. Mais l'idéal, ce serait été d'avoir des photos avant-après, parce non, que c'est avant, trop magnifique. Trop non, mais avant c'était trop laid. Le duo ressemblait à la Joldikos. Oui, donc... oui, ça ressemblait à une prison. C'était très moche. C'était très moche. Donc, ce qu'on a fait, magnifique. Et donc, ma chambre, elle est dans les tons parme. Ouais. Et Janice et moi, on l'a repeinte. Joli violet, blanc et tout. Ouais. Et là, on va essayer de trouver un meuble rose et blanc, on va essayer peut-être. De peindre le meuble. Oui, oh, oui, oui. Genre. On va essayer de trouver de la peinture rose, blanc. Avec des nuances dorées ou quelque chose comme ça. On va essayer de faire quelque chose de... Ouais, faire un petit belle pour aller avec. Ok? Ok. Donc, bisous. On se retrouve à l'intérieur. Bye bye. Ok. Oh, tu as trouvé ton bonheur. Là, c'est prune. Là, je cherche un rouge. Ça, et voilà ça, ils ont des boîtes à tête. Tu peux t'acheter de la petite boîte à tête pour 3 euros et puis... Et puis mélanger? Non, non, tu regardes si ça va, si ça te convient, je pense. Par contre, ça... Ouais. Par contre, ça, c'est au bois, mais c'est mat. Jus préféré. Un bois glossy. Mm-hmm. Alors, j'ai éliminé la couleur mat. J'hésite entre ça... Et ça, satin siapop ocre rouge et satin luxens geisha 2. On a trouvé pratiquement tout ce qu'on cherchait, oui. Oui, oui. Ok, on a trouvé pratiquement tout ce qu'on cherchait et même mieux parce que pour décorer mon petit meuble, j'ai trouvé des trucs. Et puis là où on va? Brico Galeria. Alors là, on va à Monsieur Bricolage Galeria et puis c'est pour quoi? C'est pour les poignets. Ah oui, oui, oui. Il nous faut des accessoires pour le meuble, des poignées sympas, dorées, des trucs comme ça. Donc on continue.
Combien? 42 euros. Ah ouais, quand même. Merci. Une petite inspiration d'être négresse. Tu vois? Ah, ça c'est joli. Ça le fait, hein? C'est très très joli. Non, je vais pas mettre 80 euros. Ouais, c'est vrai. Deux semaines de manger dans un même? Non. Ben les filles, c'est reparti pour un tour. Hein. Aujourd'hui, on va continuer notre petit vlog. Et là, qu'est-ce qu'on fait? On va ouf d'abord. On va chercher. On va chercher de la. Parce que samedi, finalement, on n'avait rien pris. Tu as bien réfléchi et là, tu as décidé quel modèle tu veux pour le meuble. Ouais. Okay. Ce que je veux faire, c'est. Alors, j'ai un délire de. Rose et de doré, et ce que je vais faire, c'est trouver de la pâte à dorer dans un magasin d'art déco qui s'appelle Esquisse. Ah, excuse-moi. Donc, je vais chercher de la pâte à dorer et de la peinture, et puis je vais démarrer mon meuble, hein, et puis voilà, c'est ce qu'on va faire. Watching it end again and again. I feel it in waves, you follow me, drift into places I should leave. So close to the edge of something so perfect. We were too scared to take the leap. I'm missing the way. Papier, vernis. Ça, c'est le paradis de l'artiste. Yeah, pretty much. Pretty much, yeah. Voilà, c'est comme si tu tenais une palette Natacha Denona. Presque. Donc, suivez-la sur Instagram, hein, si vous voulez voir les créations, ses peintures, ses sculptures. Là, le vernis, ce sera pour mettre sur sculpture, tableau, sculpture, ouais. Donc, sur Instagram, elle vous fait des petites vidéos. Où elle filme pendant le process, quoi, la création même des œuvres. Puis elle publie aussi des photos de ses tableaux, de ses sculptures, de ses peintures. Mm-hmm. Donc, et l'artiste, Instagram, mm. Le lien en barre d'infos. Voilà, on a trouvé le vernis. Là, il est allé regarder les différentes pâtes à dorer pour customiser le meuble. Alors, j'hésite entre ça et ça. Ça, c'est opale et ça, c'est classique. Opale, regarde, il y a un petit peu de rosé dedans. Ouais, j'ai pas vu de rosé. Oui, là, sous un peu. Ah, ouais. On dirait l'highlighter de Jacqueline Hill. Ouais, il y a un petit mot de champagne pop, il y a un petit goût de pêche là-dedans. Oui, un petit côté pêche. Mm-hmm. Il serait bien sur les structures, ça, mais pour les,
Opal. Et puis celui-là, c'est le laiton. Non, classique. Classique, ok. Il serait bien sur la sculpture, mais sur le pour le meuble. Tu prends le classique. J'ai l'impression que c'est ça qui correspond. Ok. Bon, mais je prends classique. Ok. La lumière est belle là. Mm-hmm. Ah ouais. Look at the glow. Look at the glow. Look at it. Respect it. Yeah. Le ciel est bleu. Non. Non, c'est pas pour ça. Regarde-moi. C'est un boulot tout rapide, le gamin, c'est un bleu clair. De lapin et puis ma peinture moins chère que prévu, donc c'est... avec ça je vais faire mon petit mélange et puis je vais travailler sur mon meuble. Ok, c'est bon, on a trouvé notre bonheur à Weldom comme ouais. D'habitude c'est la meilleure quincaillerie de l'île. Janice, arrête la sauce. Ça, tu vas me sponsoriser peut-être, on ne sait jamais. J'adore Weldom. Ouais, j'aime bien Weldom. Mm-hmm. Et sinon, sur notre liste, qu'est-ce qu'on a d'autre à aller voir? Moi, c'est bon. J'ai trouvé tout. Ma crème adorée, mon vernis, tout. Ok, eh ben, on est rentré à la maison. On a terminé. Je pense que demain, si Dieu veut, on pourra commencer la fabrication de ton meuble. Mm-hmm. Puisque tu as tout. Mm-hmm. Mais en attendant, on a pas sur une batterie, ça clignote. Ben, en attendant, on commence à bosser sur mon meuble et puis voilà. Donc vous allez voir l'évolution petit à petit du DIY. Ok, donc j'espère que vous avez aimé le vlog et puis on va essayer d'en refaire plus souvent. Bye. Mais quand même, les bis chiffres. Arrêtez-moi les bis chiffres. Vous voulez? Quand même, c'est vraiment énorme. Ah non. Pas pour ça, hein. Oui.